Salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va enlever ce truc. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, j'ai envie qu'on parle aujourd'hui de discipline. Donc j'ai envie de le faire sur format de vlog un petit peu, mais j'ai envie qu'on parle de l'importance de la discipline pour réussir à accomplir ses ambitions et ses rêves. Pour aujourd'hui, programme à l'agence, j'ai plusieurs trucs à faire par rapport au site web de l'agence justement. Cet après-midi, j'ai quelques calls à passer et ensuite, fin de journée, je vais enregistrer mon premier podcast. Donc je me réjouis à fond de le faire. Il faut aussi que je me forme un peu sur le travail pour l'audio, comment réussir à enlever un peu l'écho, comment réussir à enlever le bruit de fond. Et d'ailleurs, checkez, j'ai installé maintenant un bras métallique pour mon micro. Donc c'est un bras qui vient de chez Rode. J'ai branché ici un micro Blue Yeti qui est juste vraiment extraordinaire. J'ai mis aussi ici un, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est un anti-pop. En fait, quand tu parles avec les P, les sons assez forts, assez prononcés, ça évite que ça fasse trop fort dans le micro. Et du coup, j'ai directement ici le câble qui peut se brancher au laptop. Et après, je monte directement tout ici sur mon ordi. J'ai déjà fait quelques tests avec ce micro et franchement, j'ai l'impression que le son, il est vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de mettre ça en place, mais pour l'instant, place au taf. Non, effectivement, c'est pour ça qu'il faut y repenser à chaque fois quand tu le fais. Et rien que ça, c'est un message qui est beaucoup plus court, qui est peut-être plus dangereux pour toi, parce que tu dis, mais tiens, mais je perds plein de choses différentes derrière. J'ai envie qu'on parle un instant de discipline. Je suis vraiment depuis très longtemps un grand fan du mental et je suis intimement convaincu que si on arrive à aborder le bon mental avec le bon mindset, on arrive d'ailleurs à accomplir des choses juste de fou. Et c'est vraiment un truc que je me force et que je m'entraîne à faire de façon régulière, à savoir travailler mon mental, travailler ma façon de voir les choses. Et je suis quasiment certain que c'est comme un muscle, ça s'entraîne, ça se travaille, ça se développe. Pour moi, travailler son mental, c'est un truc qui est juste nécessaire pour accomplir ses rêves les plus fous et ses ambitions. Dans la vie, il y a tout le temps des choses qui nous font chier. Par exemple, franchement, me lever le matin et commencer ma journée par une heure de vélo où je transpire comme un bœuf et je me dépasse à fond, j'ai le visage qui est rouge, j'ai ultra chaud, je transpire. Surtout, tu viens de te réveiller même pas 10 minutes avant. C'est clair qu'une fois, j'ai du plaisir, mais après, de le faire 2, 3, 4, 5 fois de suite toute la semaine, bah, il y a un instant, forcément, ça devient chiant, j'ai moins de plaisir et c'est là que la discipline s'installe. Le fait de se forcer chaque fois, de me forcer chaque fois à faire le sport malgré le fait que j'ai pas envie de le faire, en fait, ça force mon mental à me dire « t'as pas envie de le faire, mais tu vas quand même le faire, tu vas y arriver, tu vas le faire ». Et du coup, c'est que tu repousses tes limites en fait et tu entraînes ton mental. Quand on sait qu'on devrait faire quelque chose, mais qu'on ne le fait pas, qu'on le repousse à demain, c'est là que la procrastination s'installe. Et c'est le pire truc de tous. Et c'est pire qu'un virus, dès l'instant où on repousse quelque chose à demain, bah, le jour d'après, c'est encore plus simple de le repousser au jour d'après. Parce qu'on se dit « ouais, je suis pas un jour prêt ». Hier, je l'ai repoussé, c'est pas grave, je le repousse demain, puis après-demain, je lui mets réellement. Et en fait, on repousse à chaque fois. Et le problème, c'est que du coup, on prend notre confort, le réflexe, on prend l'habitude de dire, c'est pas grave, je le ferai demain. Comme pour les vidéos YouTube, par exemple, se dire, bah tiens, faut que je fasse une vidéo, et l'instant où je la fais, bah en fin de compte, j'ai pas trop envie, j'arrive à me démotiver, puis j'ai un autre contexte que celui que j'avais quand j'étais motivé à le faire. Et du coup, je trouve plein d'excuses pour me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, je suis trop stressé, j'ai plein de téléphones à gérer, j'ai plein de ci, plein de ça. Et en fait, on essaye de se cacher derrière plein d'excuses bidons qui n'ont pas de valeur, qui sont juste créées toutes pièces dans notre tête
pour excuser le fait qu'on n'avait pas assez de courage et pas assez de discipline pour accomplir cette chose. Il y a plusieurs choses qu'on peut réussir à faire pour travailler sa discipline. Il y en a une que j'ai fait qui est super intéressante. J'ai le livre qui est ici. Non, je ne l'ai plus ici. C'est la règle des 5 secondes. C'est Mel Robbins qui l'a écrit. Je l'afficherai juste par là sur l'image. C'est un livre qui donne une méthode où en fait on a 5 secondes pour réussir à lancer une action. Si par exemple maintenant on sait qu'on devrait faire du sport en fin de journée parce qu'on se l'est fixé et qu'on arrive en fin de journée et qu'on n'a pas envie de le faire, on décompte dans notre tête 5, 4, 3, 2, 1 et on a en fait ce décompte pour se lancer dans l'action, pour initier le mouvement de faire du sport. Pourquoi cette méthode? Parce qu'il paraît que notre cerveau, si on a une pensée négative qui va nous dire « Non, fais pas de sport, tu en feras demain », c'est une pensée qui va nous détourner de ce qu'on devrait faire, ce qu'on est censé faire. Et en fait, si on lui donne trop de temps, on va animer et nourrir cette pensée. Et en fait, le fait de se forcer à faire un décompte vraiment 5, 4, 3, 2, 1, on détourne notre pensée sur ce décompte. Et du coup, on a en fait le temps, on a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre d'un coup pour réussir à foncer à fond dedans et du coup vraiment essayer de se dire « Ok, cette tâche que je devrais faire, bah, je vais la faire. » Et je pense que pour réussir à être vraiment discipliné, il faut trouver une énergie qui nous motivera à l'être. Sans énergie, on n'aura pas non plus la force d'y arriver. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut d'abord trouver sa mission et sa vision. C'est quoi le sens qu'on a dans sa vie? Et c'est quoi en dire? Mais il y a beaucoup de personnes, moi le premier au début, qui attendait un petit peu que ce sens, que cette mission, que cette vision me tombe dessus. Et en fait, c'est à nous de la forcer, c'est à nous de partir au combat, c'est à nous de partir sur le front pour aller poser des questions, pour aller se challenger, pour aller se dépasser, se surpasser, et essayer de trouver vraiment ce qu'on veut réussir à accomplir, la mission, la vision et le sens qu'on veut donner à notre vie. Et une fois qu'on trouve ça, ça génère une énergie de dingue, mais tellement puissante, qui du coup nous pousse à accomplir tellement de choses qui nous paraissaient impossibles avant. Et vraiment, je fais maintenant des choses qui, il y a 6 ans, 5 ans, me paraissaient juste mais inhumaines, me paraissaient mais totalement éloignées de qui j'étais à l'époque. Et en fait, le fait d'avoir trouvé cette vision, cette mission qui m'anime chaque jour, bah, ça me pousse chaque fois, ça me propulse hors de ma zone de confort. Ou du coup, ça me dit, bah tiens, mec, t'as pas le choix. Si tu veux réussir à accomplir cette chose, tu dois passer par là. Donc voilà pour ces petites parenthèses discipline. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi comment est-ce que vous voyez un petit peu ça. Est-ce que vous aussi, vous avez tendance un petit peu à vous mettre des routines pour travailler vos disciplines? Et je tiens juste à dire un monstre merci à tout le monde pour les retours que j'ai reçus sur ma précédente vidéo. C'est ultra motivant, donc franchement merci beaucoup. Elle vous a plu visiblement, il y en a plein qui m'ont écrit sur Insta, sur YouTube, sur LinkedIn aussi. Donc merci à vous, c'est vraiment ultra gratifiant, c'est ultra motivant pour la suite. Vraiment, j'ai envie de pousser à fond la création de contenu, j'attends rien en particulier de ce contenu-là. Ma seule mission, c'est si je peux réussir à inspirer ou motiver des personnes qui ont l'impression qu'elles ne peuvent pas accomplir des choses, bah que oui, elles peuvent y arriver. N'importe qui peut réussir à accomplir ses ambitions les plus folles, ce qu'il faut juste, c'est réussir à oser donner vie à sa vision et sa mission. Bref, assez parlé pour aujourd'hui, je me remets en mode focus pendant encore un petit moment. Après, je vais rentrer à la maison pour, je pense, refaire une partie 2 de ma journée ce soir. Deuxième round pour cette journée, je vais enregistrer maintenant le podcast, le premier épisode. Je me suis fixé aujourd'hui comme deadline, du coup, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. C'est parti pour le round 2. C'est parti. Enregistrement du premier podcast en cours. Pour mon podcast, ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Je pense que j'ai mérité une bonne nuit de sommeil. Et franchement, je ne cacherai pas que ce soir, j'avais qu'une envie, c'était de rester à la maison, de passer une soirée chill, de mettre devant la télé. Mais voilà, si on se met des goals à atteindre, il faut d'ailleurs se mettre aussi la discipline pour y parvenir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, oublie pas un truc, souris à fond, ça fait une immense différence. À bientôt.